BioHebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision pour vous présenter cette émission du jeudi 10 novembre 2022. Nous parlons de deux sujets d'actualité. Premièrement, on va parler de cette recommandation de l'Assemblée nationale interdisant le mixage et le brassage au sein de l'armée et des forces de sécurité de la RDC. On parlera ensuite des élections en 2023. Est-ce que à ce moment précis, on peut un glissement ou un dépassement est-il envisageable? Voilà les deux questions que nous allons aborder dans cette émission. J'ai ici trois invités qui vont devoir aborder ces deux thématiques. Monsieur Patrick Ehalé, qui est journaliste et qui est aussi analyste politique indépendant. Monsieur Patrick, merci de l'honneur que vous nous faites. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba de la FIDC. Bonjour, Maître Freddy Mwamba. Bonjour et merci de l'invitation. Ça fait tout de même longtemps que je suis passé dans cette grande tribune. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs friands de cette grande émission et de remercier notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné les souffles de vie, parce que la Bible déclare que ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ, notre Seigneur. En même temps, il m'a donné les souffrances de vie. C'est pourquoi j'ai en tout cas le courage de les professer qu'il reste mon Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba, Maître Jeannot Lompempe du FCC. Bonjour et merci de nous faire confiance. Merci beaucoup pour l'invitation, cher ami. Je salue également les téléspectateurs, surtout les co-débatteurs, à qui nous allons échanger à ce qui concerne notre République. Je commence avec vous directement. Est-ce que vous avez un sujet à commenter en dehors de ceux que nous avons retenus? Non, mais il n'y a pas de sujet à commenter, sauf seulement je voudrais interpeller le président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso-Kodia, à ce qui concerne les députés impliqués qui soutiennent les groupes armés à l'est du pays, parce que vous savez que moi je suis ici personnellement les procureurs généraux après la Cour de cassation. J'ai fait une dénonciation en demandant au PSG de pouvoir saisir le bureau de l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale puisse à transmettre la liste des députés qui continuent jusqu'à preuve du contraire
à soutenir quand même les groupes armés. Pourquoi? Parce que, je juste saisis, parce que dans la session du mois de mars et au mois de juin, vous êtes journaliste et vous avez suivi les déclarations faites par Mbosso lors d'une plénière, lorsqu'il demandait aux députés de pouvoir quitter les groupes armés. Au cas contraire, il va les envoyer au niveau de la justice. C'est comme ça que non, moi je réitère encore ma position, et que M. Mbosso, il n'a pas intérêt de pouvoir continuer à protéger ces députés qui bénéficient encore les avantages de la République. Je crois que vous avez même inséré les sujets sur la recommandation de l'Assemblée nationale, mais je souhaiterais également que M. Mbosso puisse manifester le même courage politique d'envoyer à la justice tous ces députés impliqués qui soutiennent encore les groupes armés. Merci beaucoup. C'est une demande qui a été formulée par Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Maître Freddy, un sujet à commenter? Oui, j'ai un sujet d'actualité. C'est un rapport d'abord avec notre autorité morale, le professeur Modeste Bahati, que je remercie pour l'encadrement. Je salue aussi le secrétaire général de notre parti politique, Guy Richard Malongo, la présidente par intérim, Madame Rumkazang, et le président, le professeur Modeste et le professeur Mutabunga, à qui je présente mes sincères condoléances parce qu'il a perdu sa grande sœur. Le professeur Modeste Bahati a eu des entretiens avec le chef de la délégation du Conseil de sécurité, Michel Xavier Zhang, qui est en même temps le président du comité des sanctions du Conseil de sécurité. Et au cours de ces entretiens, cette personnalité des Nations Unies a fait savoir au président du Sénat que sur la base justement de la résolution 1807 du Conseil de sécurité de 2008, la République démocratique du Congo mais pas à l'autorisation, n'est-ce pas, à toute la latitude de se payer des armes et des munitions, voire même des avions. Il a dit qu'il n'y a pas d'embargo, que l'embargo, c'est à l'égard justement des groupes armés, et que même la notification préalable, c'est une notification qui est exigée aux fournisseurs. Aux fournisseurs des armes. Donc c'est cette précision des détails qui a été apportée lors des entretiens avec le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, et le président du Sénat aussi a émis le vœu de voir, n'est-ce pas, la mise en place d'un tribunal ad hoc être accélérée pour connaître des atrocités et des exactions qui ont été commises dans la partie orientale de notre pays et permettre à toutes les victimes de l'inhumanité d'être rétablies dans leurs droits. Et donc, il a demandé que, véritablement, il plaide vivement pour, n'est-ce pas, l'implémentation du rapport mapping qui a été publié par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Merci voilà, c'est cela. Monsieur Patrick Yali, à votre tour aussi, vous avez un sujet à commenter? Bon, moi, j'aimerais m'appesantir sur l'expulsion de Madame Rollet. J'ai vu que ça a suscité beaucoup de réactions. Je suis quand même surpris de... Elle a cette fois condamné une violation de la liberté d'expression et de droit de l'homme. Il y a quelques mois, les pays de l'Union européenne, les 27 pays, ont décidé de la fermeture de la chaîne RT, une chaîne russe, et du média en ligne Sputnik. Vous avez vu une ONG africaine, congolaise, dénoncer ce que RSF... dit dénoncer. C'était pas un journaliste, c'est tout un média. On a envoyé des centaines de Russes et d'autres nationalités qui travaillaient au chômage. Parce que simplement, cette chaîne relayait l'opinion russe. On a fermé. Il y a une citoyenne d'origine camerounaise, Madame Nathalie Yomb. Elle est panafricaniste. Elle a été interdite de séjour en France par le gouvernement suite à ses opinions. Vous avez entendu une ONG, des citoyens congolais s'y mixer pour donner leur point de vue parce que cette femme qui défend la souveraineté de l'Afrique a été interdite de séjour en France. Je suis surpris de voir certains Congolais, je n'aurais pas peur de mots, faire les laquais de ces gens, s'indigner, alors que Madame Rollet était en situation irrégulière. Irrégulière. Vous m'entendez? Irrégulière. Comment vous pouvez vous indigner que le gouvernement
expulse une citoyenne française qui se retrouve en situation irrégulière. Que Mme Rollet nous brandisse son visa. Qu'elle nous brandisse son visa. Si son visa est en cours, elle aura ma solidarité à moitié. Pourquoi je dis à moitié? Parce que, pour faire le lien avec ce que j'ai dit tantôt, avec la fermeture des chaînes RT et Spoutnik, il est inconséquent pour un gouvernement de laisser, et j'assume, une citoyenne de nationalité étrangère venir faire le lit et la propagande de l'ennemi, des agresseurs, au nom d'une certaine liberté. Que non, que non. Encore que, comme je l'ai dit, elle est, en, je dirais, en porte-à-faux avec les lois du pays. Il y a cette dualité de ces ONG quand il s'agit des Français ou des Européens. On a l'impression qu'elles ne condamnent pas. Mais quand il s'agit des Africains, des Congolais ou de, d'autres nationalités, elles se lèvent et condamnent. On doit se poser aussi la question sur vraiment l'indépendance de ces ONG. Ben, vous avez tout dit. C'est la vassalité que je suis en train de dénoncer. C'est cette vassalité. Quand c'est pas, ça n'a pas le même rapport. Mais quand je vois comment on nous traite, nous Africains, nous Congolais, pour avoir le visa pour aller en France, et que je vois des Congolais s'indigner parce qu'on explique que c'est une Française, j'ai honte. Merci beaucoup, M. Patrick Ehalé, pour ce... J'ai l'impression que beaucoup de débatteurs, on peut en faire un sujet, il a l'air d'hocher la tête, il peut rebondir, et je serais curieux d'entendre ce qu'il a à dire pour ensuite renchérir. C'est vrai, vous avez... Bien sûr, je vais placer un mot. Allez-y, rapidement. Je suis très rapide. J'ai suivi Patrick. C'est bien de pouvoir soutenir la décision du gouvernement congolais. Mais la question est simple, c'est par rapport à la procédure. Parce que cette dame, elle a été invitée ici devant notre deuxième ici. C'est une immigration. Invitée simplement. Elle est venue répondre à une invitation. Et lorsque la dame est venue sur place, elle était d'abord arrêtée momentanément. Là, je parle parce que je lis même l'étude de son confrère, comment il s'appelle, Steve Remy. Il a dénoncé que non, lorsqu'elle est venue devant les services des DGM, elle a été détenue momentanément. Et c'est après qu'elle a été conduite directement à l'aéroport. Ça veut dire quoi? On ne laisse même pas à cette dame-là de pouvoir récupérer ne fût-ce que sa valise. Parce qu'on sait que le même média international, hier à l'opposition, elle a servi l'opposition. Cette dame. À l'époque où Tshisekedi Tshilombo et tous ses amis-là étaient encore à l'opposition, étaient décriés. La dictature de Kabila. Mais c'est cette dame qui a relayé beaucoup de choses. Mais si pour dénoncer la dictature de Kabila. Ce qui ordonne quoi? Si la dame savait démontrer que non, la situation c'était irrégulière. Mais normalement, il fallait respecter les conditions humaines. D'accord. Ce n'est pas que non, vous invitez quelqu'un directement, elle est détenue quelques heures après, et directement, vous l'acheminez directement à l'aéroport. C'est là où ça pose un problème. Même pas récupérer son téléphone, même pas ses affaires. Rentrez chez vous. Si son visa a déjà expiré. Et des situations irrégulières. Mais, cher ami, malgré tout ce que vous avez évoqué. S'il vous plaît, visa expiré après combien de temps? Est-ce que le directeur général des deux jeunes, il peut nous dire, c'était après combien de... Est-ce qu'il y a une semaine, deux semaines, combien de jours? D'accord. De l'expiration. Non, c'est là où je dis donc. Il faut voir le côté de l'humanisme. D'accord. J'aimerais tout de même ajouter un petit quelque chose au sujet de ce qu'il a dit ici. Le problème, ce n'était pas que son visa était expiré, non. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pour elle qu'elle avait un visa qu'on lui avait donné, les visas de courtoisie. Et qu'on n'a pas compris par quel mécanisme elle s'est retrouvée avec un visa de tourisme. Alors que pour changer les visas, il faut rentrer dans son pays et refaire la demande des visas. À ce moment-là, on pourra vous donner un autre visa. C'est là que se situe la difficulté, c'est là que se situe les hic justement. Et donc nous sommes dans un état de droit, je crois que les procédures doivent être respectées, non seulement par l'État congolais, mais dans son chef aussi, elle doit comprendre que les choses ne doivent pas se passer de cette manière. Est-ce que vous pouvez, vous, avoir un visa français d'une autre nature ici et sur le sol français, et puis on vous retrouve avec un autre visa sans savoir par quel canal vous avez eu ce visa-là?
Vous voyez, et donc je pense que il faut le respect stricto sensu des règles et des droits est exigé, que ce soit en France et ici chez nous. Donc il n'y a pas d'acharnement qui va à ce niveau-là. En voilà. 30 secondes, il a cité mon estimé compatriote Steve Wimpy. Oui. Vous avez à un moment, il n'y a pas longtemps, appris que Steve Wimpy était dans la nerf. Selon la déclare, selon les déclarations de certains amis de la presse. Il était dans la nerf, on aurait même arrêté sa femme, ses enfants, et tout à coup, subitement, il réapparaît. Sans nous dire où se trouvait-il réellement. Était-il à la nerf? Donc c'est pour dire que quand on veut noyer un chien, on peut non seulement l'accuser de rage, mais on peut aussi dire qu'il a le Covid aussi. Voyez-vous. Donc, quand M. Wimpy, qui est sa source d'information, déjà ment et honteusement sur sa situation, pour dire qu'il était à la nerf, arrêté, coffré, alors qu'il n'en est rien, il réapparaît, fait des tweets et ne dit mot sur sa prétendue arrestation. Vous voulez que nous prêtions foi à ces déclarations, estimant que Mme Rollet aurait été arrêtée manu militari? Un peu de bon sens quand même. Maintenant, que mon estimé compatriote se plaigne de la façon dont Madame Rollet aurait été, je vous serai prudent en utilisant le conditionnel au regard de votre source d'information qui a déjà menti sur lui-même. Voyez-vous? Si il est avéré que la procédure ayant amené à l'expulsion de Mme Rollet n'a pas été respectée, croyez-moi, je serai le premier à le dénoncer. Mais je n'ai pas de certitude que les choses se sont passées telles que M. Wimpy, qui est votre source d'information, a eu à le raconter. Mais qu'à cela ne tienne, si Mme Rollet veut, 20 ans après, parce qu'elle a dit que ça fait 20 ans qu'elle est au Congo, qu'elle exerce son métier. Ce n'est pas la première fois qu'elle a déjà maille à partir avec les dirigeants en place. Je crois plus d'une fois, quand M. Mende était encore ministre de la communication du FCC, elle a connu pareille forfaiture. Donc, si elle vient d'être chassée de la chaîne RFI, elle n'a pas démissionné, elle a été chassée. Prétendument pour les enquêtes farfelues, commanditées, d'où elle aurait reçu, je ne l'affirme pas, suivez mon regard, elle a été chassée, elle se retrouve dans une autre chaîne, et d'ailleurs, elle n'est pas accréditée, elle n'a pas reçu le quitus. Donc, le Congo peut être sale, comme l'a dit M. Alexis Mambé, l'ancien haut cadre du RCD, le RCD mouvement rebelle, l'ancêtre du M23, dont était le porte-parole monsieur Tambo Mwamba, en oubliant d'ailleurs qu'il fait partie, il n'y a pas deux ans à peine, il était gestionnaire. S'il nous dit qu'ils ont laissé Kinshasa dans un état qui était comparable à Johannesburg et qu'en deux ans, les successeurs ont tout abîmé, je peux comprendre. Mais quand monsieur Tambo Mwamba, l'ex-haut cadre du RCD et du FCC, parle comme un tartempion, comme un coup d'âme, alors qu'il n'y a pas longtemps, il était dirigeant. Voyez-vous. Merci beaucoup. On va lancer le sujet. Vous allez parler. Dan, c'est important ce que je veux dire. Vous allez parler. Parce qu'il y a une confusion. Non, il faudra que l'équivoque soit levé une seule fois pour toutes. Il y a une confusion que les gens veulent installer pour dire que le professeur Modeste Bahati... Le professeur Modeste Bahati n'avait pas fait fine bouche comme M. Alexis Tambo Mwamba. Le professeur Modeste Bahati, lui, a abondé dans l'essence de dire qu'il fallait en fait aérer la vie de Kinshasa comme Salé à Katana, dans son village natal, où les gens ne vivent pas dans une grande promiscuité. Il a abondé dans le sens de mettre des propositions pour que la ville soit en fait étendue. Lui n'a pas dit que la ville était, je ne sais pas moi, si c'est comment, non. Donc il a abondé dans le sens de demander. Ouais. Il a donné
plus de pistes de solutions. Non, mais la ville est sale. Ça, c'est un fait. Mais ce constat ne peut pas venir de l'ex au cadre du RCD. S'il vous plaît, Patrick, écoutez. Finissez et puis on lance le sujet. Oui, je sais, on va lancer le sujet, mais écoutez. Lorsque je parlais de la citation de la dame, elle m'a tweeté. Hier, vous avez suivi même les journaux. Parole d'évangile. S'il vous plaît, ce n'est pas une parole d'évangile, c'est pas ça. Dieu merci. J'ai suivi même les informations africaines. C'est TVC, c'est France 24. C'est la même chose, je vous dis. La question est simple pour moi, d'accord. Si c'est établi que non, la situation est irrégulière, mais respectons-moi les conditions humaines, c'est la moindre des choses. C'est là où que j'insiste. Ce n'est pas que le Congo est une poubelle, non, c'est pas ça. Il faut respecter au moins quand même les conditions humaines. Nous sommes dans un pays que tout le monde prétend, l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi le respect des textes quand même. Les conditions n'étaient pas... N'est-ce pas? Mais c'est oui. Lorsqu'on vous a interpellé, venez, vous êtes invité à un service de l'État. Et que sur le champ, on vous assure directement à l'aéroport. Donc vous laissez tout, vous abandonnez tout. C'est là qu'il faut dénoncer. N'est-ce pas? Même si autre, Freddy dit, oh non, voilà, il y a un changement de visa. Bon, là, je ne sais pas encore. Il faut vérifier. C'est peut-être à la DGM de nous dire si c'est vrai. Il s'agit de ça. Mais l'information qui circule dans les réseaux, je crois que ce n'est pas ça. N'est-ce pas? Donc, c'est très important. Mais ne condamnez pas tout le monde aujourd'hui lorsque vous qualifiez Alexis Tambo comme ex-porte-parole de RCD. Mais écoutez, tout le monde a son passé. Chacun de nous, il a son passé. Nous connaissons au moins. Même les dirigeants, chacun d'eux, ils ont leur passé. Très bien. On ne sait pas peut-être les différents régimes. Donc ça, ce n'est pas notre problème. Okay. Mais le message d'Alexis Thambo Mwamba, ce pertinent, il a raison. Parce qu'on nous dit que le gouvernement congolais, gouvernement central, donne au moins ces 2 millions de dollars chaque trimestre pour la ville de Kinshasa. Mais pourquoi la ville est sale? C'est ça maintenant la question. Est-ce que la question, il faut condamner le message d'Alexis Thambo Mwamba? Ou soit il faut condamner au moins l'ensemble provincial? Parce que le bureau de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux, j'ai l'impression que non, ils ne font pas leur travail. Très bien, on va lancer. Même s'il y a une protection au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Très bien, on va lancer les sujets maintenant liés à l'insécurité dans la partie est du pays. On va parler de cette recommandation de l'Assemblée nationale interdisant le mixage, le brassage, non seulement dans l'armée, mais aussi dans les forces de sécurité de la RDC, notamment la police et autres. Voilà. Voilà la recommandation de l'Assemblée nationale, une recommandation qui a été commentée surtout dans le camp politique de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Patrick Yale, je commence avec vous. Comment vous réagissez à cette recommandation de l'Assemblée nationale d'abord? Je veux répondre, la ville est sale, mais je pense que il y a des personnes qui n'ont pas qualité à dire certaines choses. Quand on a été 18 ans, 18 ans à faire, et pas seulement 18 ans, M. Thambo Mwamba, au cadre, au représentant de ex-RCD, était d'abord mobutiste. Mobutu a laissé Kinshasa, je dirais, vivable. Quand Mobutu quitte Kinshasa, moi je viens d'avoir mon diplôme d'État, Kinshasa était encore respirable. M. Thambo Mwamba, qui fait partie de la gestion de ces 20 dernières années, aurait dû porter cette responsabilité. La responsabilité du salissement de Kinshasa est une responsabilité collective. Tant des dirigeants actuels, qui ne font pas assez, je le reconnais, tant de ceux qui étaient là, qui ont aussi mal fait les choses. Mais venir comme si un quidam, comme si c'était un observateur. Voilà, c'est là où je suis dérangé. Autant je partage ce qu'il a dit, qu'il y a des choses qui sont... Réellement, la ville est sale. Mais la ville est sale, c'est incontestable. Je ne suis pas de ceux qui, quand c'est noir, c'est blanc. La ville est sale. Et il y a les sommes qui sont engagées, dégagées, pour rendre la ville propre. À quoi elle sert? Je suis d'accord. Mais je suis encore plus indigné quand ceux-là, qui 18 ans, pouvaient, en partant, laisser Kinshasa dans un état, je dirais, qui peut rivaliser avec d'autres capitales, n'ont pas pu le faire, viennent aujourd'hui avec un air dédaigneux en plus. Non. D'accord. Maintenant, brassage. Je vais tout de suite aller dans la réaction du membre du FCC, M. Nyarugab. Moïse. Qui a dit, selon lui, que c'était imprudent, pour ne pas dire dangereux, que l'on inscrit cette recommandation
Mais qu'est-ce que les mixages, les brassages ont donné à la République? N'est-ce pas que c'est à cause de ces mixages qu'on retrouve un général à la CPI se présentant comme Rwandais, alors qu'il était général? Je parle de Bosco Ntaganda. Au gradé de l'armée nationale. De l'armée nationale, qui, une fois arrêté, se présente comme Rwandais. Il n'est pas le seul. Et je pense qu'il y a encore des cas similaires. On parle de plus de 500 personnes qui avaient été intégrées. On parle des cas similaires encore dans notre armée. Des gens qui ont été brassés, mixés, à qui on a donné des postes de commandement, mais qui, en réalité, n'ayant pas peur de mots, ne sont pas des rwandophones, mais sont des Rwandais, à l'image de Bosco Ntaganda. Maintenant, posons-nous la question. Monsieur Nyarugabu, il était venu du haut de la tribune défendre l'intérêt de qui? Du Congo ou d'un autre pays? Il est député national. Naturellement, c'est le Congo. Il est député national. Ah, un député national de son État qui, d'abord, ne s'exprime que quand il s'agit des Afres à l'Est. Il y a eu des choses à Kwamuntu ici. Vous avez entendu son son de cloche? Non. C'est son droit de venir s'exprimer sur le sujet de l'Est. Oui. On ne peut pas le lui refuser. D'accord. Mais venir soutenir que nous devons continuer avec le mixage, avec le brassage, sachant les résultats que cela a donné, sachant que dans ces mixages, on a eu à voir des généraux nommés Rwandais. D'accord. Mais qu'ils soient clairs avec nous. D'accord, merci beaucoup. Qu'ils soient clairs avec nous. Patrick est allé sur cette question. 5 minutes aussi comme vous, monsieur Maître Freddy Mwamba. 5 minutes aussi sur cette question. La question du mixage et du brassage au sein de l'armée et de la sécurité, c'est interdit. L'Assemblée nationale qui interdit cette pratique. S'il vous plaît, ça va m'échapper. Je salue au moins pour une fois la prise de parole de la députée Jeannette Kabila, qui a suggéré aussi qu'on intègre et qu'on mixe les FDLR dans l'armée rwandaise. Je salue, j'espère que mon co-débatteur sera content et transmettra ma position. Oui, elle s'est exprimée, elle a demandé que les FDLR négocient aussi avec le gouvernement rwandais pour éventuellement trouver la solution à ça. Maître Freddy Mwamba, comment réagissez-vous à cette nouvelle? Moi, je pense que tout Congolais féru de paix ne peut pas marquer sa réprobation absolue contre cette mesure qui a été prise au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'est une mesure qui est très bonne dans le sens de la proactivité. Il faut encore prévenir tout ce que nous avons vécu dans ce pays ici, tout ce que ces mixages et autres nous ont amené, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que ces pays, nous avons environ plus de 450 tribus. Mais s'il faut que chaque tribu commence à exiger d'occuper des postes importants dans ce pays, je pense que ce pays n'ira jamais de l'avant. Donc nous devons faire un effort pour cultiver les phénomènes nationaux. L'unité nationale, c'est ça que nous devons mettre en avant-plan au-delà de tout. Tout Congolais qui aime bien ce pays, qui se dit qu'il est véritablement un patriote, ne peut qu'acclamer des deux mains cette recommandation qui a été faite au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est dans le sens de faire en sorte que nos frères de la partie orientale ne puissent plus CM23 vivre... se réclame toujours Congolais. CM23, bien que rwandophone, se réclame toujours Congolais. Non, mais vous savez que s'il y a des Congolais parmi les M23, moi je pense que ces Congolais savent quelle est la voie royale pour accéder au pouvoir, ou bien pour obtenir gain de cause par rapport à leur revendication. L'unique voie ne peut pas être tuer vos frères. Ça ne peut pas être en tout cas une bonne solution. C'est tuer vos frères. C'est là que nous disons qu'il y a à boire et à manger. Rien ne nous démontre que ce qui se disent nos frères qui sont au sein de ces mouvements terroristes, ce sont réellement des Congolais. Il n'y a rien qui les démontre. Bien au contraire, lorsque vous regardez
n'est-ce pas, la manière dont ces mouvements terroristes évoluent, vous comprenez plus vite qu'il ne s'agit pas des Congolais. Il s'agit d'une armée étrangère qui se trouve sur notre sol. Et on a essayé de faire du saupoudrage avec certains compatriotes. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord qu'il y a aussi des Congolais rwandophones, des Congolais Hutus, Tutsis? On peut se mettre d'accord sur cette question. Non, mais mon cher ami, nous avons des Congolais qui sont qui ont en fait des acquaintances avec d'autres, avec des Rwandais. C'est tout à fait normal au niveau des frontières. Vous avez au Katanga, nous avons les Babemba qui sont en Zambie. Vous avez des Babemba qui sont ici chez nous. Vous avez les Bakongo qui sont en Angola. Vous avez des Bakongo qui sont ici. Il y a des Bakongo qui sont ici et qui sont au Congo, Brazzaville. Nous avons 9 frontières, ne vous en faites pas. Mais la question que nous devons nous poser et qui est fondamentale, c'est celle de savoir pourquoi tous ces compatriotes qui sont au niveau des frontières, à la lisière entre nous et tous ces différents pays, ne réclament pas. Il n'y a que ceux qui ont des datums crochus avec le Rwanda qui réclament. C'est la plus grande question que nous devons nous poser. Alors que tous nous sommes des Congolais, nous avons le droit de réclamer ce qui nous revient de la même manière. Pourquoi pour eux ça doit être particulier? Pourquoi ils veulent se mettre en exergue? C'est là que nous disons qu'il s'agit d'un arbre qui cache la forêt, tout simplement. Merci voilà. beaucoup, Maître Fendi Mamba. Jeannot Pépé, on a connu pendant que vous... votre mouvement, votre force politique, le FCC était au pouvoir, on a vu cette pratique se faire pendant plusieurs années. Aujourd'hui, comment vous réagissez par rapport à ça? Non, mais s'il vous plaît, Dan, vous savez, j'ai suivi le coup de batteur dans les plateaux ici, lorsque Patrick a commencé à dire d'abord sur les membres du FCC à l'Assemblée nationale, lorsque Nyamoïs Nyarugova, il a pris la parole, étant que député national, là, il n'y a pas de couleur politique. Il a donné son point de vue. Et je voudrais d'abord rappeler à nos téléspectateurs, la question des brassages et des mixages, oui, bien sûr, ça c'est notre passé. Parce que même lorsque nous sommes allés au dialogue de Sun City... Ce sont des erreurs que vous reconnaissez. Non, écoutez, ce sont des erreurs communes. Ce n'est pas à imputer ça à un individu, à un régime, non, pas du tout. Parce qu'à l'époque, il y a eu des délégués. Tout, écoutez, s'il vous plaît, lorsque nous avons accepté de brasser et de mixer les groupes armés de notre armée, de notre des forces loyalistes de la République, ce n'était pas une décision individuelle. C'était une décision collective de toutes les parties prenantes. Lors de pourparlers au niveau de Sun City, c'est comme ça que non, même les rebelles et des soldats de Jean-Pierre Bemba et les autres leaders, n'est-ce pas, ont été intégrés dans l'armée. Et lorsqu'ils sont intégrés dans l'armée, pendant tout ce temps-là, il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes à l'époque de Kabila. C'est comme ça qu'à un moment donné, on a appelé, après des réformes, c'était une armée républicaine. La question que nous posons, c'est que pendant votre gouvernance, cette pratique est devenue monnaie courante. Non, ce n'était pas monnaie courante. Je vous donne ma réponse. Le RCD, s'il vous plaît, Dan. Le M23. S'il vous plaît, vous dis que nous avons accepté cela. Vous voyez, nous avons accepté cela. Alors, est-ce que la question qu'on accepte le brassage et le mixage, c'est ça notre problème? C'est ce qui est à la base de l'insécurité à l'est du pays? C'est pas ça. Pas du tout. C'est pas ça qui est non, à la non, base. Non, pas du tout. Pas du tout. La question de Nyarugabo, il a donné son point de vue. Et moi, je dis personnellement, je donne mon point de vue par rapport à cela. Ce que l'Assemblée nationale a posé comme acte, oui, tout le secteur PV saluer cela, dit que non, c'est bravo à l'Assemblée nationale. Mais c'est juste une recommandation. Une recommandation, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une obligation vis-à-vis du gouvernement congolais. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'Assemblée nationale donne son point de vue, parce que la recommandation là, c'est juste le point de vue de l'Assemblée nationale. Mais dans l'entretemps, à l'est du pays, l'insécurité persiste. Et je crois que la semaine prochaine, il y aura déjà, comment on appelle ça, l'ouverture d'un dialogue. Comme on nous a imposé, selon les propos de Mouya, qui nous a forcé la main dans leur dialogue. Et la position de l'honorable Moïse Nyarugabo, c'était quoi que non? Lorsque le gouvernement congolais va accepter le dialogue avec les M23, sachez-le bien que non, les M23 vont pouvoir imposer aussi comme condition de pouvoir intégrer notre FARDC.
C'est comme ça qu'il a dit clairement, il a donné son point de vue en disant que non, l'Assemblée nationale devait être prise sur cette question-là. Est-ce que c'est tout? Parce que pour que cette recommandation-là passe et que le gouvernement congolais puisse accepter cela, nous devons être en mesure de pouvoir d'abord répondre sur les terrains, récupérer les territoires occupés par les Rwandais, par les rebelles, soutenus par les Rwandais et l'Ouganda. C'est à ce moment-là que nous pouvons aller avec une position de force. Mais lorsque il y aura le dialogue la semaine prochaine et que nos FARDC n'est pas encore en mesure de pouvoir récupérer les territoires occupés par les rebelles, je crois que le gouvernement congolais n'appliquera pas cette recommandation. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, pour encourager cela, cette recommandation, le gouvernement congolais doit d'abord, sur le terrain, avancer. Montrons les avancées. C'est à ce moment-là que vous pouvez affaiblir ces rebelles-là. Parce qu'ils se réclament des Congolais. Donc, que non, nous sommes des Congolais. Et que lorsque nous avons pris les armes, c'est que nous voulons aussi intégrer notre FARDC. Donc, c'est possible qu'aujourd'hui, après ces négociations qui vont s'ouvrir le 16 novembre, que les M23 soient à nouveau réintégrés dans l'armée. Mais je suis en train de raisonner dans la fiction. Très bien. Parce que ne pensez pas que non, le gouvernement congolais va imposer son point de vue. Lors de ce dialogue-là, non, pas du tout. D'accord. Parce qu'il y aura le gouvernement congolais, il y a les facilitateurs, le Kenya et les rebelles M23. Sachez que non, le rebelle. Eux aussi, ils sont les cahiers des charges. Très bien. Et que le gouvernement congolais est censé de pouvoir écouter aussi les revendications. Alors, pour essayer de ne pas accepter les revendications des M23, nous sommes obligés de pouvoir démontrer d'abord sur le terrain que non, nous avons récupéré nos territoires. D'accord. Afin de pouvoir faire passer notre message. Au cas contraire, je crois que cette recommandation-là n'aura pas d'effet. N'aura pas d'effet. Monsieur Patiki, allez, je vous pose la question. Le 16 novembre, les discussions de Nairobi sont censées reprendre. Le gouvernement pose comme condition, justement, que pour intégrer les M23, il faut qu'ils puissent quitter les zones occupées. Mais entre-temps, il y a cette recommandation. Et si aujourd'hui, les FRDC ne récupèrent pas l'espace conquis, est-ce qu'on ne craindra pas que cette recommandation soit bafouée? Je veux en venir. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai parlé des responsabilités, session de la ville de Kinshasa, j'ai dit qu'il y avait une responsabilité tant de ceux qui ont dirigé il y a 18-20 ans et une responsabilité des dirigeants actuels. Il faut, à un moment, que l'on qu'on ait un sursaut et qu'on accepte les responsabilités aussi en termes d'échecs. Le brassage, le mixage, quel que soit la façon dont elle a été imposée, mais c'est une succession d'échecs. On ne peut pas tourner sur le dos de la cuillère. Une succession d'échecs. Quand vous posez la question, si c'est à la base de l'insécurité, mon ami dit non. C'est pas le mixage qui est à la base de l'insécurité aujourd'hui. Selon lui, ce n'est pas ça. Les mixages, le brassage et entre autres sources d'insécurité. Vous m'entendez? Entre autres. Pourquoi? Parce que la plupart de ces éléments sont des éléments soit rwandophones, mais à loyauté rwandaise, soit rwandais carrément. Le cas de Kunda Batware est encore patent. Comment on peut ne pas dire que ceci est un problème? Comment on peut encore continuer à accepter de continuer avec ce schéma où vous avez des militaires de Sand City qui ont réuni tous les belligérants à l'époque? On est arrivé à 1+4, c'était pratiquement la même procédure. Je parlais de succession d'échecs. Oui. En 2013, quand le gouvernement de la République négocie un autre mixage, ce n'était pas Sand City. C'est là où est sorti l'accord M23. CNDP. Voilà. Ce n'était pas Sun City. On avait déjà les résultats de l'échec de l'intégration proposée par Sun City, mais on a accepté de nous enfoncer en acceptant encore une autre intégration et un autre mixage. Mais entre-temps, nous avons les forces de l'EAC qui sont déployées dans l'Est.
Entre-temps, vous avez les gouvernements de ces États de l'EAC qui demandent à ce que le gouvernement congolais puisse négocier. Alors, comment comprendre ça? Qu'est-ce que veulent-ils? Nous aider à combattre ou que nous puissions négocier? Ils veulent que les choses restent à l'État. Ils veulent qu'il y ait encore un autre mixage. Ils veulent que la partie est de notre pays continue à être, je dirais, un ventre mou de la République. Cette situation d'instabilité de l'Est de notre pays, mais profite à des multinationales, profite à l'économie rwandaise. Mais je ne sais plus qui avait sorti cette formule. Nos guerres en anglais, c'est encore quoi? No kunda, no job. No war, no, no war, no job, no kunda, no, no job. C'est ces gens-là. C'est ces gens-là. Dans les Occidentaux. Ah, mais papa, mais vous imaginez un secrétaire général de l'ONU dire qu'ils sont incapables de combattre le M23. D'ailleurs, tout le monde sait, même les États-Unis, qui avaient peine à le dire, disent aujourd'hui clairement que c'est le Rwanda. D'accord. Que c'est le Rwanda. Il se pose un problème. Pour finir? Il se pose un problème. Même la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, les balles crépitent d'un côté, mais ils sont en train de négocier de l'autre côté. Il se pose le problème de savoir où doivent aller les terroristes de M23. Le Rwanda estime, et d'autres Congolais, à l'instar de Nyarugabu, estiment que ces terroristes doivent intégrer l'armée. M23 est déclaré mouvement terroriste. Monsieur Nyarugabu et d'autres Congolais estiment qu'on doit les intégrer dans l'armée. Je vais revenir vers vous incessamment, monsieur Patrick. Moi, et allez, mon point de vue, qui est contraire à celui de mon estimé co-débatteur, j'estime que ces gens doivent rentrer au Rwanda. Au Rwanda. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Et allez, maître Freddy Mwamba, la même question aussi. Finalement, à quoi joue l'EAC? Finalement, à quoi il joue? Quand il demande au gouvernement de négocier et en même temps, il déploie des forces ici, à quoi joue-t-il réellement? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur ce que notre ami a dit. Mon cher Jeannot Lopembe, mon frère Jeannot Lopembe, le gouvernement, d'ailleurs, les M23, ce ne sont pas des rebelles. Parce que vous êtes en train de dire que c'est des rebelles. Non, il n'y a pas de rebelles. Il n'y a pas de rebelles là-bas. C'est des terroristes, une armée étrangère qui est venue nous agresser. J'aimerais d'abord que nous puissions nous mettre d'accord sur ces concepts-là. Êtes-vous d'accord qu'il s'agit des terroristes et que ce ne sont pas des rebelles ou pas? J'aimerais que tu me dises. Est-ce que ce sont des rebelles ou ce sont des... Les terroristes, c'est pas avec le gouvernement actuel. C'est des terroristes. Depuis le gouvernement des rebelles. C'est des terroristes. On a qualifié les M23 comme... Mais toi, tu as parlé des rebelles ici. Pour continuer, j'aimerais lui dire quelque chose. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire en rapport avec les dialogues qu'il faut se faire. Lorsqu'on va dialoguer, on converse. On n'est pas obligé de négocier. C'est là que se situe aussi la nuance entre les dialogues et la négociation. Vous comprenez? On va converser là-bas. Converser, c'est-à-dire que... Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Oui, c'est de savoir si, effectivement, il y a des compatriotes, des Congolais, qu'on ne va pas réfuter de façon péremptoire. S'il y a des Congolais parmi eux, on va leur dire ce qu'ils doivent faire en tant que Congolais, en tant que citoyens congolais. On leur dit ce qu'ils doivent faire en tant que citoyens congolais. S'il y a des étrangers parmi eux, ils n'ont qu'à rester dans leur pays. Ils n'ont pas le droit de continuer d'agresser, justement, notre pays. C'est ce qu'on va aller faire là-bas. Et puis, les efforts qui sont en train de mener, qui sont en train d'être menés sur le terrain avec les différents bombardements, présagent déjà de l'issue de ces dialogues-là. Ça présage déjà de l'issue de ces dialogues. C'est pour vous dire que quand on va aller là-bas, c'est pour dire aux Congolais qui seront là-bas, s'il y en a justement, de pouvoir réintégrer la vie civile. Et la recommandation qui a été faite, bien sûr que tous nous savons qu'une recommandation, c'est à prendre ou à laisser, mais ici nous sommes en train de parler d'un Parlement. D'un Parlement qui a eu à mettre en place mais quand vous un dites... gouvernement.
est un gouvernement qui dépend d'un parlement, là, parce que il y a l'aspect contrôle. Mais quand vous dites il y a l'aspect contrôle qu'il faut prendre en compte pour vous montrer combien cette recommandation est par ricochet comme étant une contrainte. Parce que le Parlement a toutes les armes possibles pour... Vous avez tantôt dit qu'on ne va pas là-bas pour négocier, on va converser. C'est pratiquement le même point de vue que Moïse Nyamugabo a donné. Il a dit, fermer les portes aux négociations, à mon avis, je considère que c'est une erreur. Mais nous avons fermé les portes à ces négociations, mais nous avons ouvert la porte au dialogue. C'est-à-dire, vous allez, nous pouvons parler, on vous écoute ce que vous dites, mais on ne prend pas en compte... n'est-ce pas, vos revendications dans le sens de réintégrer l'armée et autres. C'est cela, il faut comprendre ça comme ça. Parce que tu venais de dire ici que les conditions qui ont été données par le gouvernement, c'est qu'il faudra qu'ils quittent les intégrés. C'est les intégrés où il faut préciser, parce que il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Quand on dit on va les intégrer, ce n'est pas les intégrer dans l'armée ou bien les intégrer dans... Il faut préciser. Dans les processus. Les intégrer, ça veut dire vous allez venir sur la table. On peut vous accepter, on peut accepter les Congolais, certains Congolais qui sont des enfants égarés. Mais Moïse Katumbi qui sont allés Katumbi se faire manipuler par le Rwanda. Pour lui, on peut passer par l'Angola. Les voisins de l'Est ne sont pas sincères. Mais ce qu'il dit là, c'est ce qui est en train de se faire déjà. Parce que qui est en train de jouer aujourd'hui metteur. Il y a deux fronts, il y a Nairobi et personne, Rwanda. Mais c'est cela, c'est tout ce que je suis en train de dire. La personne d'abord qui joue aux entremetteurs et qui a été désignée par l'Union africaine, c'est dans le cas de la CIRGL, il y a... Donc, ben, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Rwanda, l'objectif ultime, c'est lequel? L'objectif ultime, c'est qu'il y ait restauration de la paix dans la partie orientale. Donc, il n'y a pas d'inadéquation entre ce qui s'est fait dans le cadre de Rwanda et ce qui s'est fait au niveau de Nairobi. Il n'y a pas d'inadéquation. Il ne faut pas que les gens comprennent, considèrent que on va à ces dialogues-là en position de faiblesse et que nous allons gober tout ce qui va se dire, tout ce qui va être dit par, n'est-ce pas, ces prétendus rebelles qui ne sont que des terroristes. Non, ça ne va pas se passer de cette manière. On va aller voir, examiner en tout cas, pour voir s'il y a des Congolais parmi eux et voir dans quelle mesure on peut les canaliser pour qu'ils réintègrent la vie civile. Et puis c'est fini. Pas question de dire non, nous voulons avoir tel poste ministériel et autres. Parce que c'est cette cinquième colonne-là, justement, même s'il dit que ce n'est pas le brassage qui a posé problème, il faut apprendre dans ces pays, il faut que nous apprenions à tirer les conséquences des erreurs du passé pour optimaliser l'avenir. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Sinon, nous risquons encore de... Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà, c'est cela, mon frère. Merci beaucoup, Maître Ofeli Mamba. Jeannot Lopembe, que répondez-vous à cette question? À quoi joue l'EAC? À quoi joue-t-il finalement? Non, mais écoutez, la réponse est très simple. Parce que vous avez même suivi dernièrement ici, il raconte entre Kagame et le nouveau président kenyais. Vous avez suivi comment leur échange. Donc, les jeux ou bien la finalité dans tout ça, je dirais peut-être que non, nous avons été piégés par Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce qu'il ne devrait pas aller directement adhérer dans cette organisation-là. Moi, je ne voyais pas nécessaire. Quelle a été la nécessité d'aller en précipitation, d'aller adhérer très vite là-bas? Un marché commun. S'il vous plaît. Oui, à part un marché commun, il y a d'abord marché commun, il y a d'autres avantages. Mais on ne le sait pas, on ne le voit pas. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes piégés nous-mêmes. On vient à peine d'adhérer. Parce que si vous voyez même la position de tous les pays anglophones là, vous avez suivi même les propos de votre, comment s'appelle, M. Patrick Mouyaya. On nous impose d'aller dialoguer, d'aller au dialogue. On là, c'est qui? Est-ce que c'est la EAC? Est-ce que c'est le Rwanda, l'affaire de route de Rwanda ou bien la communauté internationale? Vous devez nous dire. Parce que lorsque Freddy dit que non, nous n'allons pas à une position de faiblesse, mais nous allons avec quelle position? Quelle est la position du gouvernement? Parce que ce que le gouvernement a réclamé, d'abord l'affaire de route de Nairobi 1, Rwanda est 2. C'était quoi que non? Les M23, on avait demandé à M23 de pouvoir d'abord libérer les zones occupées, les rebelles. Oui. Mais après, les M23, il n'a pas autant payé à ça. M23 continue à persister, à gérer même, à établir même le gouvernement
au niveau des zones occupées par les terroristes là. Mais c'est pourquoi ils sont contraires. Je dis, ils sont contraires. Le problème est très simple, cher ami. Nous devons d'abord travailler sur le plan interne et que l'État congolais doit imposer la paix. Parce que si, avant le 16, et que Bounagan est récupéré, et Routour et Kiwanja, je crois que là, nous allons, avec une position de force, là, nous pouvons imposer notre point de vue. En disant que non, eh bien, nous ne pouvons pas accepter l'intégration au sein de nos frères BC. Au moins, vous pouvez aller, n'est-ce pas, intégrer d'autres secteurs de la vie. Là, on est d'accord. Mais si on ne le fait pas sur le terrain, je crois que la position du gouvernement ne passera pas. Mais non, parce que si nous devons nous imposer sur le terrain, à quoi serviront ces discussions finalement? Mais c'est là où il y a la contradiction maintenant avec les régimes de M. Tshisekedi Tshilombo. Il doit nous dire, est-ce que nous allons accepter les dialogues ou soit nous allons en guerre? C'est deux points de vue différents. Donc on peut pas être en guerre et dialoguer en même temps. On ne peut pas. Comment? Parce que Patrick Gaffel, il a parlé sur que non, il a évoqué le cas de la Russie et l'Ukraine. Mais écoutez, aujourd'hui, l'Ukraine pose des conditions. Pour tout dialogue, il pose des conditions. Il est clair. Et ces conditions-là, si la Russie ne respecte pas, l'Ukraine, il avance sur le terrain. Vous voyez, pardon, c'est là où il y a les problèmes. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on nous a imposé le dialogue. Comme Patrick, il a fait croire à l'opinion. On a posé aussi les conditions. On a dit qu'il faut d'abord que les M23 quittent les zones occupées. Mais en contrepartie, le gouvernement garantit quoi? Lorsque vous demandez d'occuper les zones occupées, s'il vous plaît, vous allez réagir, Patrick. Si vous pensez que non, c'est une condition pour le gouvernement d'imposer les terroristes d'abord de libérer les zones occupées, après, ils viendront assister. Et dans ce pourparlers-là, je crois que là, c'est déjà un échec. Parce que le M23 n'acceptera pas ça. On leur a demandé deux ou trois fois déjà. Est-ce qu'ils ont accepté? Pas du tout. C'est comme ça que moi, je dis, le gouvernement doit imposer d'abord la paix avant de réclamer la participation des terroristes. D'accord. Je serai pas long. Le dialogue qu'il y a eu en 2013 entre notre gouvernement et le CNDP devenu M23, ça s'est passé à quel moment? Mais c'est après. C'était pas que pendant. Non, pas du tout. Mais l'histoire est récente. Permettez. Mais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. L'armée a défait le CNDP M23. Mais le gouvernement est allé négocier. Et ce sont les revendications des M23 que le gouvernement 2013 avec Remoti Banda avait acté qui sont aujourd'hui remis sur la table. Si on veut être conséquent et cohérent, il faut dire que le gouvernement de M. Kabila était irresponsable. Si je veux suivre la logique de Jean-Noël Opépé, l'armée a défait. Je profite pour saluer la mémoire de Mamadou Ndala, qui est mort dans des conditions jusque-là non élucidées. L'armée a défait le CNDP. Mais notre gouvernement est allé négocier et a endossé des revendications de cette rébellion. Lesquelles revendications sont remises aujourd'hui encore sur la table? Donc, soyons cohérents et conséquents à un moment. C'est bien beau de vouloir tirer à boulet rouge sur Tshilombo. Mais faites attention que ce que vous indexez, que vous ayez commis les mêmes choses, mais en des termes plus alarmants. Je vais réagir. Lorsque vous dites ça, je vous donne un cas. Lorsque vous voulez condamner le gouvernement de Kabila. Non, je constate. Selon votre cohérence. Je vous donne maintenant, il y a un cas où c'est établi que non, c'est la responsabilité du gouvernement actuel. Le 20 novembre 2019, je suis tombé, même l'autre fois dans l'autre mission, là j'ai parlé ça ici, je suis tombé sur une correspondance adressée par le coordonnateur Ibalaki. Lorsqu'il avait adressé cela à l'auditeur général de FARDC, pour demander à l'auditeur général de suspendre des poursuites contre le secteur de leader du M23. Qui a demandé? Je peux récupérer votre temps de parole? Qui a demandé? Parce que, qui a demandé à Claude Ibalaki? Je peux récupérer. J'avais posé une question. Je vais répondre. Est-ce que c'est Kabila, le gouvernement de Kabila, ou bien c'est le gouvernement de Tshisekedi? Vous permettez que je réponde? Allez-y, oui, répondez.
écoutez-moi bien. L'armée vend le CNDP. Après, ils vont aux négociations. Hmm? C'est ce qu'il a, selon lui, traité tout à l'heure de d'inconséquent. Mais Kabila l'a fait. Ils sont allés aux négociations. Et le CNDP devenu M23 a fait des revendications que le gouvernement de 2013 de Raymond Tshibanda a acceptées. Et les années passées, pour eux, il y a continuité de l'État. C'est-à-dire l'État, aujourd'hui dirigé par Tshisekedi, doit se soumettre aux revendications qui ont été acceptées par notre gouvernement en 2013. En 2013. C'est cela. C'est cela. Il ne faut pas tronquer l'histoire. Si nous devons être conséquents, autant ce qui a été fait. Je ne comprends pas que mon ami veuille disculper le FCC, Kabila, dire que non, voilà. Donc il ne faut pas négocier avec les rebelles à ce niveau. À ce niveau, je suis d'avis, selon la recommandation, négociation si dois-tu avoir, négociation dois-tu avoir avec le Rwanda. Pas avec le M23. Pas avec le M23. Je suis d'avis qu'il ne faille ni plus brasser, ni plus mixer, ni plus je ne sais pas quel terme, malaxage ou quoi que ce soit. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs qui ont été faites au dos des intérêts de la République. D'accord. Merci beaucoup, M. Patrick Yalé. Je vais maintenant poser cette question à Maître Félix Mwamba. Le fils de Museveni, il s'appelle Mozi Kainerugaba. Lui qui a tweeté, il dit « L'M23, je pense qu'il est très, très dangereux pour quiconque de combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes, ils se battent pour les droits des Tutsis en RDC. » Ça, c'est le fils de Museveni qui réagit comme ça. Comment vous réagissez par rapport à ça? D'abord, ça, c'est une réaction qui frise l'inconséquence. Comment il peut dire de telles choses alors qu'il sait que nous sommes en mutualisation des forces avec l'Ouganda. Donc ce qu'il faudra ici préciser, c'est que lui, il a un agir comportemental qui renvoie à un garnement. Vous comprenez? Il a un agir comportemental qui nous démontre qu'il disjoncte un peu parfois. Et en tant qu'un État sérieux, nous n'allons pas prendre en compte cela. Ce n'est pas à prendre pour un régent content. C'est que le fils de Museveni a dit. Parce que, en tout cas, les structures du mal qualifié ne tiennent pas ces langages. Il y a notamment son père qui est là, qui est tout le temps en contact avec le président de la République, qui ne tient pas ces langages. S'ils clarifient leur position par rapport à cela, à ce moment-là, il y aura des dispositions qui seront prises au niveau du gouvernement pour contrer tout cela, toutes ces entreprises mortifères qui sont menées à bien dans la partie orientale de notre pays par ces personnes animées de mauvaises de Luanda. Fois. Et j'aimerais revenir sur... Luanda est enlevé dans la liste, sous la liste des soupçonnés d'être dans cette guerre. Donc, l'Ouganda continue à être soupçonné. D'ailleurs, tu as utilisé les mots qu'il faut. Donc, l'Ouganda est soupçonné, tandis que le Rwanda n'est pas soupçonné. Le Rwanda n'est pas soupçonné. L'Ouganda est soupçonné, mais le Rwanda, lui, n'est pas soupçonné. Parce que nous avons la certitude s'il vous plaît. C'est le Rwanda qui nous agresse et que l'armée qui nous combat dans la partie orientale, c'est une armée étrangère. Nous en avons eu le preuve. Et puis, nous avons le compatriote de la partie orientale de notre pays qui ont mis la main sur deux soldats rwandais. Et là, nous avons en fait des preuves probantes qui démontrent que nous avons le Rwandais en fait sur notre sol. Mais le conflit que je peux considérer comme étant le conflit que nous entretenons avec l'Ouganda, c'est notamment en rapport avec ce qui s'est passé dernièrement à Bunagana. Parce que nous avons constaté que c'est Bunagana qui a favorisé, et c'est en fait l'Ouganda qui a favorisé, ainsi que l'armée rwandaise puisse passer par Bunagana et puis entrer ici sur notre pays. J'aimerais revenir sur ce que notre ami a dit ici sur ce plateau. Mais mon cher, je suis sidéré de t'entendre dire que les M23 sont des rebelles.
Donc toi, tu insistes toujours sur le fait que les M23 sont des rebelles et que ces M23 qui sont des rebelles vont nous imposer. Quand vous acceptez d'aller au dialogue, ça veut dire que vous allez adhérer comme ça, abruptement, à tout ce que les M23 va vous dire. Mais tu les dis comme qui? Comme porte-parole du M23 ou quoi? C'est là que je dis qu'il faudra que nous puissions en fait même clarifier notre statut lorsque nous venons dans cette émission. Toi, tu es le relayeur de ce que l'M23 dit, ou bien tu es un Congolais qui est épris de paix, qui est aimeré, qui est une restauration de la partie orientale de notre pays. Nous sommes venus ici pour analyser. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que non, les M23 vont dire ceci, ils vont vous imposer, parce qu'il n'y a pas inversement des tendances sur le terrain. Mais nous vous disons que notre armée est en train de combattre, même si on a l'habitude de dire que là où la guerre parle, la diplomatie c'était, mais là où la diplomatie parle, la guerre c'était, il ne faudra pas qu'il y ait aussi une confusion à ce sujet. Parce que la guerre, c'est quoi? C'est la recherche de l'imposition à autrui et il y a une procédure pour qu'il y ait une guerre. Et la diplomatie, c'est la recherche, en fait, de l'entente avec autrui. Ici, nous sommes en train de défendre l'intégrité de notre territoire. Mais bien sûr, nous ne sommes pas en guerre contre le Rwanda. On défend l'intégrité de notre territoire et nous sommes en train de mettre en branle tout ce qu'il faut pour qu'il y ait retour de la paix sur la planète de notre pays. Donc c'est cela, il ne faut pas confondre les choses. Si une minute, il ne faut pas montrer que non, comme si je suis contre la République. Mais c'est l'impression que tu non, ici dans les plateaux, tu fais nous analysons les paroles là des... Non, nous analysons la question, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas m'amener, moi, et comme analyste politique, soutenir la position du gouvernement, c'est pas ça. Lorsque je demande au gouvernement d'imposer d'abord la paix... C'est ton gouvernement. Écoutez, s'il vous plaît. Le gouvernement a l'obligation d'imposer d'abord la paix. Lorsque nous allons imposer la paix sur le terrain, c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que nos revendications du gouvernement congolais vont pouvoir surpasser le reste des cahiers de charges. Je vous donne un cas, la semaine passée, vous avez vu, vous avez lu les communiqués tripartites là, entre le Congo, le Rwanda et l'Angola. Vous avez lu ces communiqués-là. Ça, c'est le langage. À qui tu as ça ici? Nous accusons le Rwanda. C'est le Rwanda qui soutient les rebelles, comme un rebelle ou bien terroriste, comme il veut, qui s'appelle. Dans les communiqués, il est dit, dans les points D, on nous demande de continuer pour parler, de parler avec le Rwanda, cher ami. Mais c'est contradiction. Mais nous avons c'est contradictoire. C'est comme ça que moi je dis. Non, c'est comme ça que. Non, s'il vous plaît, Dan. C'est comme ça que je dis. Être membre, il est demandé à tous les États d'être, d'entretenir la paix dans leur. Non, mais c'est comme ça que je dis. Nous avons été piégés. Il ne fallait pas aller dans cette communauté-là se démontrer. Et lorsque vous refusez aujourd'hui, dans les plateaux, l'implication de l'armée ougandaise, mais à l'Assemblée nationale. Moussadi s'applique à voir. C'est aussi l'Ouganda. Mais dans l'autre état, les n'importe qui par le de Mousseveni. Quelle est la réaction de Kinshasa ça? Pourquoi le porte-parole, M. Patrick Mouya, pourquoi il ne réagit pas? Merci beaucoup. C'est comme ça que si nous avons un gouvernement responsable qui est là, je crois qu'il faut mettre fin à cette histoire-là de mutualisation des forces. D'accord. Pourquoi continuer jusqu'à là avec l'Ouganda? Pourquoi continuer? On va lancer le deuxième sujet. Il faut l'arrêter avec ça. Élection 2023, est-ce qu'on peut envisager un glissement? Si oui, sous quel format? Dans quelles conditions? Sinon, on ira tout droit aux élections de 2023 prévues en décembre. Monsieur Patrick Eyalé, est-ce que nous pouvons, c'est possible d'envisager un glissement au regard des contraintes tracées par la CENI, au regard des réalités sur le terrain, et puis au regard de tout ce qui tourne autour de ces organisations des élections et le reste. Est-ce qu'on peut envisager un glissement à ce moment précis? Merci, mais je vais en 30 secondes poser une question à haute voix. Je sais que je n'aurai pas de réponse. Doit-on quitter aussi l'ONU? Parce que l'ONU nous demande de se dialoguer. Je reprends maintenant votre question. Vous pensez que je vais répondre à ça? Ah, vous êtes libre, hein, vous êtes libre. Il y a un droit en cours sur le droit de la guerre. C'est qui ont fait le droit, maître. Oui, le cours existe, oui. Voilà. Le droit de la guerre. Oui. Les us qui sont d'application quand il y a belligérance. Les parties qui ne sont pas prenantes à la guerre imposent toujours le dialogue.
C'est pour cela que j'ai posé la question. Doit-on quitter l'ONU? Qui nous impose le dialogue aussi? Maintenant, pour répondre à votre question, il faut se poser la question dans le sens inverse. À qui, le glissement profitera à qui? Je ne pense pas qu'un glissement peut ou va profiter au pouvoir actuel. Le pouvoir actuel n'a pas intérêt à glisser. Parce que qui dit glissement, dit ouverture des négociations, des dialogues pour le partage des responsabilités. C'est cela. Si les gens qui sont aux manettes estiment qu'il faille volontairement glisser, parce qu'il y a des glissements, je dirais, recherchés, volontaires, et il y a des glissements qu'on peut dire de cas de force majeure. Maintenant, il faut se poser la question. Le glissement dont question ici serait un glissement voulu, recherché par le pouvoir, pour quel intérêt? Un glissement lié justement aux conditions qui ne sont pas vraiment réunies pour aller au Sénégal. Si le glissement serait lié aux conditions qui ne seraient pas réunies, ce n'est donc pas un glissement voulu, préparé, souhaité par le pouvoir actuel. Mais prenons l'hypothèse que les conditions ne sont pas réunies et que cela implique un glissement. Je pense que même dans ce cas de figure, la responsabilité du pouvoir sera engagée et entamée. Dans tous les cas. Et okay. Je pense que dans tous les cas, le pouvoir actuel n'a pas intérêt à ce qu'il y ait glissement. Pour plusieurs raisons, le temps ne pourra pas le permettre. Maintenant. Mais la même CENI qui rassure, continue de rassurer aujourd'hui que, en tout cas, en décembre 2023, il y aura bel et bien élection. Entre-temps, dans les quartiers généraux des partis politiques, dans certaines ONG internationales, on nous dit, notamment le PNUD, qui nous dit qu'aujourd'hui, en tout cas, si nous devons avoir des élections dans le délai, ça ne sera pas des bonnes élections. Maintenant, il y a aussi, de l'autre côté, là je parlais du pouvoir. Moi, j'aime être équilibré dans le panorama que je fais. Okay. Il y a maintenant la position... Une minute, oui. Il y a maintenant la position des oppositions. Parce qu'il y a plusieurs oppositions. Et je ne pense pas que les différentes oppositions parlent d'une seule voix et d'une même voix. Il y a l'opposition conduite par le FCC, l'opposition conduite par M. Fayolo, l'opposition conduite par M. Katumbi, oui. Et même l'opposition conduite par M. Mouzito. Il est avec vous, il a le lieu sacré. Moi, je parle des faits. Katumbi est dans l'opposition. Dans les faits, il est dans l'opposition. Okay. Mais officiellement, il est du gouvernement. Merci. Mais merci. Nous savons que merci. Katumbi, qui s'est rabiboché d'ailleurs de fort belle manière avec M. Kabila, est avec vous merci. Dans l'opposition. Merci maintenant, beaucoup. Maintenant, il faut savoir... Monsieur Patrick est allé. Il faut maintenant décrypter... Déterminer, s'il vous plaît. Nous devons donner la parole à... Il faut décrypter, je dirais, les attentes des uns et des autres. Mais s'agissant de la CENI elle-même. C'est là maintenant où je dis qu'il y a une crainte de l'élection. Parce que la CENI fait son bon nombre de chemins. L'enrôlement est prévu pour novembre et décembre. Est-ce que les parties prenantes sont prêts? Merci beaucoup, M. Patrick Eyalé, pour votre intervention. Monsieur Maître Fedi Mwamba, à vous aussi. Cette même question, est-ce qu'on peut envisager un glissement aujourd'hui? Compte tenu de tout ce que nous avons appris, notamment les rapports des Nations Unies, du PNUD notamment, qui a décrit qu'en les conditions actuelles, avoir des élections, c'est des élections bâclées. Bon, je ne sais pas s'il faut accorder beaucoup de crédibilité à ces rapports-là, parce que le président de la République, lors de son interview aux États-Unis, a dit qu'il avait conféré avec les responsables du PNUD. Ils lui ont dit qu'ils n'ont jamais produit un rapport dans ce sens-là. Si. Le président l'a dit lui-même. Si, il y a un rapport du PNUD. Si. Non, mais c'est pourquoi je te dis que ce rapport-là, il y a un problème de crédibilité. C'est un rapport qui est sujet à caution, quoi. Parce que moi, j'ai suivi le président de la République
dire qu'il a conféré avec les responsables du CNUR. C'était une question posée par les confrères. Pas vraiment cette thèse-là. La question lui a été posée par les confrères de France 24, se basant justement sur ce rapport. Bien sûr, le chef de l'État. La réponse que le chef a donnée. Il a dit qu'il a conféré avec les responsables du CNIL. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais... Mais le rapport est bien, là. D'accord, allez-y. C'est cela. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit d'un rapport. Je ne refuse pas qu'il n'y a pas de rapport. J'ai dit qu'il y a un rapport, mais un rapport qui est sujet à caution. Vous comprenez? Un rapport douteux, quoi. Parce que le numéro 1 de la République a dit qu'il a posé la question aux responsables. Ils lui ont dit, bon, que les choses ne vont pas se passer de cette façon-là. Ce que moi je sais, c'est que le président de la République a été forgé dans un moule démocratique. Étant donné qu'il a été forgé dans un moule démocratique, il a toujours émis les vœux. Les élections, c'est une question technique. C'est une question technique, être la politique. Organisée. Parce que, en fait, lorsque nos adversaires de l'opposition émettent des craintes, éprouvent des craintes au sujet de l'organisation des élections, ils lient cela à la volonté politique. Vous comprenez? Souvent, il est lié à la volonté politique pour dire que c'est au niveau du gouvernement où on s'arrange pour faire en sorte qu'il y ait glissement, parce que ce glissement va les profiter, en quelque sorte, entre guillemets. S'il faut en fait s'en tenir à cette vision du monde, c'est pourquoi je dis ici que moi, je m'en tiens au fait qu'il y a eu une parole d'honneur. Je crois que le président de la République a mis un point d'honneur à ces sujets-là, à moins qu'au niveau de la structure organisatrice des élections, il y ait autre chose. Vous comprenez, sauf peut-être revirement des dernières minutes, mais ce que je sais, c'est qu'au niveau de la CENI, on rassure, et le président de la République aussi a rassuré en disant qu'il est en train de s'assurer à tout moment de ce que les moyens nécessaires sont mis à la disposition de la CENI pour que les élections soient organisées à bonne date. Et je pense que ça sera organisé à bonne date. Ce que je refuse, c'est que nous puissions verser en conjecture. Attendons et voyons comment les choses vont évoluer. Vous avez vu les agents, les responsables de la CENI se déployer à gauche et à droite, à l'acheter des machines, je crois, en Corée, si je ne m'abuse pas, pour amener les machines ici. Ça veut dire que la machine des élections est en marche. Ce que nous demandons à nos adversaires politiques et à toutes les parties prenantes à ces élections, c'est de se préparer sérieusement pour participer justement à ces élections que nous appelons tous de tous nos voeux. Voilà, c'est cela. Voilà, merci Maître Freddy Mamba. Je vous passe la parole, Jeannot Lompépé. Quel est votre point de vue, vous FCC, quel est votre point de vue à ce sujet? Non, mais merci beaucoup, Dan. Et je crois que la position du FCC est claire à ce qui concerne la fin des élections. Parce que pour nous, les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Donc il faut respecter d'abord la constitution. Vous, en 2016, à ce qui concerne, nous sommes allés à deux ans de plus. La tenue des élections en 2023, cher ami. Pourquoi? Parce que si on n'organise pas les élections, c'est ici qu'il va tirer des conséquences politiques. Je crois que récemment, si vous avez su même la position de Martin Fayoulou, quand il faudra demander que non, si on n'aura pas les élections, je crois que la place de Tshisekedi, c'est dehors. On ne peut pas comprendre par quel miracle. S'il vous plaît, j'aimerais comprendre. Allez-y. Je suis en train d'analyser, cher ami. J'ai cité le cas de Martin Fayoulou. Il est avec nous dans l'opposition. N'est-ce pas? Et nous voyons ce qui se passe au niveau de la CENI. Même si Freddy dit que non, voilà, M. Kadima, il est en Corée pour aller respecter ou bien visiter, comme je l'ai dit dans un article média en ligne. Mais ce n'est pas ça. Et Kadima, il est en Corée pour des raisons de tourisme. Ce n'est pas aller respecter les machines pour l'enrôlement des Congolais. Ce n'est pas ça. Parce que notre position est claire. Nous demandons les élections. Mais il faut les élections crédibles. Ce n'est pas aller aux élections dans la précipitation. Parce que tout a déjà été boutiqué en avance pour aller élire encore les chefs coutumiers parce qu'il veut à tout prix les mandats, les second mandat. Là, on n'est pas d'accord. Parce que, le bureau de. Comment excusez-moi, le bureau actuel de la CENI pose un problème. La loi électorale, la manière dont elle a été élaborée, même pour publier avec M. Tshisekedi Tshilombo, il n'y a eu pas la participation de l'opposition. Non seulement la loi électorale, au niveau même de la Cour constitutionnelle. Je citais le cas, les bureaux de la CENI posent un problème. La Cour constitutionnelle, la juridiction qui est censée de pouvoir départager les partis lors des contentieux constitutionnels,
présidentielle ou bien législative, législatif, pose toujours problème. Et donc, même à partir de la loi électorale, ce que nous disons, cher ami, il faut un consensus préalable. Un consensus. Afin de garantir toutes les parties prenantes. Je vous dis, c'est ça donc, c'est ça notre position. Notre feuille de route est là. Quel format? Non, mais le format est simple, cher ami. C'est-à-dire, au niveau de la CENI, ceux qui sont au niveau de la CENI, il y a un quota pour le il y a un quota de l'opposition. Mais les animateurs acteurs, la personne que j'ai cité à chaque fois dans votre émission, quelqu'un comme Didi Manara, quelqu'un comme Hachem Matemo, il y a l'autre député de la Moukala, ce sont des gens qu'on a débauchés pour remplacer les quotas de l'opposition reconnus. Parce qu'actuellement, il y a une opposition reconnue. C'est le FCC, c'est la Mouka, l'aile de Martin Folou. C'est connu. Mais lorsqu'on a débauché les gens, on a fait les forcings parce qu'on voulait à tout prix, il fallait combler les bureaux de la CENI pour se justifier devant les partenaires internationaux. D'accord. Ce n'est pas le cas. Ce conseil que nous exigeons, il faut un minimum de consensus afin de garantir, nous les parties prenantes. Nous sommes des joueurs, vous savez aujourd'hui, regardez la position des cadres, et son bureau, et la position de la Cour constitutionnelle. Ça ne garantit même pas les partis prenants. Si nous allons, avec ces formats actuels, je crois que ça c'est donné, mais c'est qu'il dit, il sera d'abord réélu avec une majorité de 500 députés. Là, ce n'est pas normal. C'est comme ça que nous disons, respectons d'abord les préalables, ce que nous demandons. Vous savez, les préalables, le consensus, ce n'est pas question des 3 ou 4, mais non, pas les consensus. C'est minimum la volonté politique. Jean-Noël Lopépé, dans les consensus, qu'est-ce qui sera débattu dans les consensus? Mais je citais le cas de qui seront membres, partisans de partie prenante? Mais écoutez, cher ami, mais les parties prenantes, tu connais. Il y a l'opposition, il y a la majorité. Parce que nous avons refusé de pouvoir participer lors de l'élaboration de la loi à l'Assemblée nationale. Parce que nous le savons, cher ami, que non. Avec l'Union sacrée, vous savez, l'Union sacrée, même la corruption de l'Union sacrée, c'est de la corruption. Et que nous, l'opposition, au nom de notre minorité, nous ne pouvons pas aller, n'est-ce pas, assister à une plénière là, où Mbosso, Mbosso, Mbassa, comment ça s'appelle, Mbata, ils ont boutiqué l'histoire en amont pour faire passer. Non seulement les animateurs de la CENI, mais même la nouvelle électorale. C'est quoi que nous disons? Il faut minimum des consensus et la volonté politique. D'accord. Parce que s'il n'y a pas la volonté politique, je crois que 2023, je crois que c'est le rendez-vous des chaos. D'accord. On reste 4 minutes, mais je ne sais pas qu'il y a les 2 minutes. Et on va finir avec Maître Freddy, 2 minutes. Je comprends. Un dialogue, un consensus. Je comprends. Et Jerry Soukap, quand il a fait allusion à Martin Faolo, pour dire que Martin Faolo a dit qu'en 2023, s'il n'y a pas élection, parce que ça aurait été, je dirais, tiré par les cheveux qu'il parle au nom du FCC, sachant la position qui était la du leur, FCC. En 2016. Et il est quand la Cour constitutionnelle qui dira que le président reste en fonction jusqu'à la vidéo de l'ancien président. Toi, lui-même, il disait quoi? S'il vous plaît. C'est que Martin a fait qu'il répétait. S'il vous plaît. Oui, je suis content que vous parliez de Martin et non. Non, mais il est leader politique, il est avec nous dans l'opposition. Merci. J'ai dit, je suis content que vous parliez de Martin et non en votre nom. Parce que vous êtes trop intelligent pour parler en votre nom. Sachant les déclarations qui étaient vôtres, il y a peine. Là. Monsieur Denis Kadima, c'est comme ça que j'ai, dans ma précédente intervention, demandé si les partis étaient prêts. Et la réponse, visiblement, les partis ne sont pas prêts. Monsieur Kadima est actuellement en Corée pour ramener les matériels d'enrôlement. Et l'enrôlement est prévu pour novembre et décembre. Mais il y a les gens qui doivent être partie prenante à ces élections, ne sont même pas au courant. Non, ils feignent de ne pas être au courant pour maintenant revendiquer. On va se poser la question. Je pense et je présume, sans être prophète, que mon estimé compatriote avait trouvé le bureau de M. Nanga, je dirais, crédible. Quelle différence il y a entre le bureau de M. Nanga et le bureau de M. Kadima? À l'opposition, hier, ceux qui étaient à l'opposition avaient jugé que ce bureau n'était pas crédible. D'accord. Mais c'est ce bureau qui a proclamé le candidat qui n'était pas leur candidat. Terminé. C'est cette Cour constitutionnelle que l'opposition ne trouvait pas crédible, qui a proclamé le candidat Chadari, qui n'était pas le candidat de l'opposition. Mais pourquoi ils n'ont pas-ils foi que ce bureau-ci
qui n'est pas différent, qui n'est pas différent de Nang. Non, mais c'est des questions constitutionnelles. Comment va-t-il faire demander à une autre partie prenante? Merci beaucoup. Vous savez, garde moi, c'est bien le fruit de contestation. On va terminer avec vous. Mais c'est le permettez. On a vous avez parlé de Martin Fayolo. Martin Fayolo a dit, comme c'est votre guide maintenant. S'il vous plaît. Non, écoutez, s'il vous plaît. C'est une boutade, c'est une boutade. Martin Fayolo a dit que M. Kadima ne posait pas de problème. Et d'ailleurs, on a vu récemment M. Tchole et M. Senga chez M. Kadima. Merci beaucoup. On va terminer. Voilà. On va terminer avec Maître Freddy Mamba. Mais je vais placer votre point de vue. Il nous reste pratiquement 1 minute 30. S'il vous plaît, allez-y, Maître Freddy Mamba. Bon, moi je pense que même Martin Fayolo qui sert des fils d'Ariane à notre ami, qui dit qu'il croit à ce qu'il dit parce que c'est un leader de l'opposition, il devait pouvoir l'être en plein. Parce que Martin Fayolo a dit clairement que le président de la CENI n'était pas rédhibitoire à l'organisation des élections. C'est qu'il est d'accord avec Kadima. Il n'a jamais posé des conditions au sujet de Kadima depuis un temps. Bon, pas dire jamais, mais depuis un temps, il ne pose plus de conditions au sujet de la présence de Kadima à la tête de la centrale électorale. C'est que les choses ont quand même évolué sans que notre frère qui est avec lui au sein de l'opposition ne le sache. Donc, Denis Kadima n'est plus le problème pour Martin Fayolo. Martin Fayolo tient à ce que les élections soient organisées dans les délais. Parce qu'il ne boycottera pas. Et même le disent, il dit que le boycott n'est pas dans leur vocabulaire. Moi, ça me plaît quand ils disent ça. Donc, ils ont compris qu'il s'agit d'une exaltante bataille électorale à laquelle ils vont prendre part parce qu'ils trouvent que le processus évolue normalement. Donc, ils peuvent peut-être s'opposer à certaines petites choses, mais ils sont pour participer, pour que les élections soient organisées et qu'elles vont participer. C'est déjà une bonne chose et je crois que c'est même la position du FCC qui ne va pas aussi boycotter ces élections, qui va justement prendre part à ces élections. Pour ce qui est du glissement, il venait de le dire, l'arrêt est là et je crois que nous n'allons pas bypasser cet arrêt. Kadima et Nanga qui c'est ce qu'elle a défendu Kadima. Contrairement, Kabila n'a jamais défendu Kadima. Nanga, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, Kadima aujourd'hui, c'est un fou de contestation. Nous avons eu un président qui disait il y a la molette à la Cour constitutionnelle, cher ami. Nous avons eu un président répondait à une question. Il répondait à une question. Lorsque le président de la République devait être invité, on a vu le passé de Kadima. Il répondait à une question. Kadima ne garantit pas. Il fait minimum de garantie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est que Martin. S'il vous plaît. Je dois mettre fin à l'émission. Parce que nous, au cas d'églissement. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour notre plaisir. Au revoir. BioHebs Cacao. C'est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight. Pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada,
6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Regeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.